Bonjour Alain, alors vous allez me montrer comment on ouvre une nuit. Ça a l'air très très compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Comment on la tient d'abord? Déjà, on la tient dans la main gauche, avec le cul de l'huître vers soi, et puis on a les quatre doigts sur le côté droit. Et après, vous allez devoir insérer un objet tranchant, j'imagine. Oui, lame d'un couteau. Bon, en principe, il y a des couteaux à huître, mais moi, je préfère le petit couteau d'office. Et vous l'insérez où, ce petit couteau d'office? Justement, au niveau des quatre doigts, on prend à peu près celui du milieu et on introduit la lame là. Il y a un trou, il y a quelque chose qui non, fait non, que ça... Non, va... Faut forcer un peu? Faut forcer un peu, et voilà, là on sent que c'est rentré. On insiste, et après, on tire vers soi. Voilà. D'accord. Et donc là, vous allez jeter la première roue. Pourquoi on jette la première roue parce que ça régénère tout de suite de l'eau, ça enlève déjà les impuretés. Et puis, dans quelques instants, on va refaire de l'eau, et puis on verra bien qu'elle est bien vivante. Voilà. Elle peut la refaire plusieurs fois, cette eau? Oui, elle peut la faire plusieurs fois. Combien, je ne sais pas, mais elle peut la faire plusieurs fois. Vous êtes gaucher, vous faites comment? Alors là, ça... Je me suis posé la question, mais je ne sais pas du tout. Bon, on s'arrange pour avoir un droitier avec soi. Voilà. Merci.